Eh bien, salut tout le monde, c'est TheKirby31 et aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode de mon let's play sur Borderlands The Pre-Sequel dans le DLC Inside Claptrap. Je m'en souviens toujours pas du nom, ça me fait chier. Bon bref, Osef, aujourd'hui on va continuer là où on était. Hop, c'est pas n'importe quoi. Hop, donc allons voir on était où en termes de mission, voilà, il y avait beaucoup de trucs. Voilà. Alors, recherche du fichier, vous fouillez l'esprit de Claptrap à la recherche d'un fichier top secret, le code source H. Suivez la conscience de Claptrap, récupérez le code source H. Vous êtes à la recherche d'un fichier hyperion secret dissimulé dans les souvenirs de Claptrap. La conscience de Claptrap vous conduit au cluster 00773 Pandore. Drôle de journée. Et j'ai fait de la merde, on s'en fout. Bon, allez, c'est parti. On y va. Ok, je crois qu'on tient un plan alors. Donc il a dit qu'il fallait monter ici. Tu suis la conscience de Claptrap, il te guide jusqu'à mon code source H. Donc là, il y a lui qui me parle. Et tu fous le camp d'ici, ok? Ok, c'est pas la mer à boire. Bon, hop. La mémoire d'eux, hein? Bon. J'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu là-bas. À moins que je confonde avec la mémoire 3 ou 9. Bon, bref. Donc on va suivre Claptrap et on va aller dans le cluster. Oula, il y a des ennemis, Oula, il y a des ennemis. Ouh. Méchants ennemis, c'est pas gentil. Bon, je vais prendre une arme un peu plus adaptée que ça. Hein, je vais prendre la mitraillette. Eh voilà. Les gars, on est tous super cool. Là. Là, lui peut se téléporter comme un sale tricheur. Bon, c'est cool, hein, lui il me fait passer n'importe où, hein, en mode terroriste, n'importe où. Oh, un cube. Wow. Ça ressemble à une prison, non? C'est pas une prison ordinaire. Tu vois ce cube? C'est là où finissent les pires déchets du système. Et quand ils y atterrissent, ils n'en ressortent jamais. Alors, c'est cool ou c'est cool? Pancake! Pancake! Oh, qui est là? Qui est là? J'adore ce type! Non, pas Pancake. D'accord. Oh, il y a une pizza. C'est drôle. Bon, on va continuer à suivre Claptrap, hein, et on va. Et on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Hop. Alors. Une fois que c'était les portes. Enfin bref, je nous ai amenés ici, car maintenant que tes privilèges admin sont abolis, tu vas avoir besoin d'armes. Et j'en ai tout plein qui ont été confisqués. Ok, donc il va me passer des armes, de toute façon ça va être cool, on va pouvoir les essayer. Voilà. Et voilà, il y a un. Regarde, il y a des ennemis, il y a un piège, et puis un piège à clic. Faut vite les tuer. Ah, merde, voilà. Bon, récupérons ce qu'il nous a filé. Ouh, oula. Alors, voyons voir. On a une arme, on a un burping anarchiste. C'est un pistolet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après le reste, je m'en fous. Alors, voyons voir sa pistolet qui a l'air classe. Voyons voir ce qu'il vaut. Ah, ok. Il est très bien ce truc. Il me fait penser à l'Infinity pour ceux qui l'ont dans Borderlands. C'est ça, c'est genre l'Infinity quoi. Sauf qu'il a pas les missions infinies. Bref, moi je m'en fous, je veux mon mitraillette. Les murs garde-barrières qui jaillissent. Franchement, tu vas en baver. Et bien sûr, les protocoles de la sécurité vont te prendre en chasse comme un fugitif. Excitant, hein? Ouais, je ne connaîtrai jamais rien de mieux. Une vie de winner. C'est impressionnant, il y a des pubs. Même dans le jeu. Sois fidèle à tes valeurs. Des pubs dans Claptrap. Et ben voilà, si c'est trop gros, on va pouvoir récupérer du stuff. Ouh, une arme violette. Hey, c'est pas trop mal ce truc. Bon, en fait, je vais tout récupérer. Pourquoi est-ce que je prends celui-là? Ouh, c'est beau là ce qu'il fait. Il glisse ce truc. Oh, c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Bon, on a de la thune, des munitions. Bon, les munitions, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a là? On a de la thune. Non, bon, il y a de la thune. C'est bon d'être riche. Bon, allez, hop, on se casse. Donc, on y va. Ah. Ah bah oui. Il y a vraiment des pubs. C'est sans déconner. Si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe?
C'est notre pub. Utilise Hyperion anti-pub. Utilise le adblock Hyperion. Bon. Ça sent pas trop de confiance ce truc. Ouais, je peux aller pratiquement où je veux, même sans mot de passe admin. C'est vrai, je suis super connu, moi, dans le coin. Procédure de sécurité niveau 1, enclenchée. Je m'en merci, Claptrap. Hein. Elle a enclenché le protocole de sécurité. Casse-toi. Bienvenue, Tiffany. Je constate que vous avez un hôte. Tous les hôtes doivent être scannés pour la procédure merci, de Tiffany. Sécurité niveau 2. Tiffany. Quelle bande de plaisantins. Ok, bon, tu ferais mieux de monter sur ce scanner. Ne t'en fais pas, ça va passer comme un bon, on va sur le scanner. C'est sûr que ça va merder. J'accède à mes références et je vérifie que tu es bien mon hôte. Les systèmes se mettent à jour et la porte s'ouvre. ID utilisateur non valide. Ouais. Déplacement vers Corbeil. C'est sûr que ça allait foirer avec la trappe. Non, ne vaut pas le sol. J'ai dit. Champ de suppression activé. Aïe. Suppression aïe, aïe. Des fichiers. Aïe, ça fait mal. Clap-trap, arrête ça. Ok, donc il y a le titillé, un champ de suppression et... Wow, dangereux ça. Que je peux pas contrôler, en fait. Tu ne sais pas contrôler ta propre conscience. Eh ouais, mais je suis plutôt un genre de cadre. Pas comme si Gugus fait l'assemblage. Ah, il va falloir te débrouiller sans moi. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Tu trouveras une solution. Bon, ben c'est super, je dois sauter. Il est intelligent, Claptrap, là. Oh, oh, je crois que... Ah bah tu vois, faut toujours flinguer ses problèmes. Ah. Là, en l'occurrence, ces espèces de tubes brillants qui tournent. Je vais voir si je peux en dégager d'autres. Bon. Alerte. Lancement du motif de suppression, bravo. J'en ai trouvé une nouvelle. Voici l'artiste. Ah, là, tu m'envoies des ennemis, quoi. Oula. Ah, mais c'est compliqué, ça m'enlève de la vie, ça. Ah, mais c'est bâtard. C'est pas gentil du tout ça, hein. Ah bah elle est là. Et la plaque pour elle. Aïe, j'ai pris cher. J'ai pris cher là. Je vais prendre le cher là. Je vais prendre très cher. C'est... Ah bah voilà, elle était là la deuxième. Ah, voilà. Lancement du motif de suppression, Charlie. Voilà. Suppression Charlie. Qu'est-ce encore que ça fait une là saleté de oh turbine machin chouette à défoncer. Bon, voilà, je suis en train de bloquer toute ma vie. Oh mon dieu, c'était compliqué. Oh mon dieu, je me fais défoncer. Échec du champ de suppression. Tu n'es pas bon. Ah ouais, t'as réussi. Allez viens, reste près de moi et tout ira super bien. Donc c'est parti, on va dans la carte sans mer. Bonne blague. Pour ceux qui savent pas, une carte mère c'est ce qu'il y a dans un ordi. Là c'est une carte. Okay, pas de temps à perdre. Il y a un code source H avec mon nom écrit dessus. Façon de parler, hein, mon nom n'est pas vraiment dessus. Enfin bref, va le chercher. Bon, alors, c'est parti. Qui c'était, Tiffany? On s'en fiche. Je sens que le transfert de données va foirer. Les systèmes de sécurité, c'est des vrais petites teignes. On peut dire ça comme ça. Pour ralentir le truc, ça sert à rien. C'est sûr que là, il y a des trucs à regarder. C'est obligé. Là, il y a des grenades. Il y a des munitions, quoi. Il y a des sauvegardes ici. Bon, c'était pas si intéressant que ça, en fait. Ce qu'il y avait là. Bon, bah. On se casse. Données illégales détectées. Données illégales. Alors, apparemment, je peux rien faire pour ça non plus. Hop, je vais prendre une arme adaptée à beaucoup de gens. Oh, un blaster. T'es un connard de premier. Oh, l'homme de verrouillage. Formidable. Ok, tiens, c'est moi. Trop bien, blaster. On va juste le cette arme. Juste comme c'est une arme corrosive, on pourra défoncer plus facilement les ennemis. Enfin, les ennemis de métal. C'est ce que tu allais dire, non? Attends, j'ai pas vu ce qui a marqué. Ah,
Si tu veux que le monde change, il faut que ça commence par toi. Oh, c'est compliqué. Là, il y a du combat. Là, il y a du combat. Il y a un arc-en-ciel en bas. C'est parce que ça. Hop, allez, une grenade, et allez, c'est parti. Mon pouvoir, je l'avais pas montré au début, mais en fait, j'ai un pouvoir qui me permet de mettre des digi-jack. Parce que oui, si vous avez remarqué, bah, je suis Jack. Voilà, enfin, je suis le double pour être précis, mais ça, on s'en fout. Notre objectif là, c'est de tout faire péter. Donc, on fait tout péter. Alors, voilà, on fait tout péter. Voilà, tout péter. Voilà, la mission, tout péter. Voilà. C'est compliqué, hein, mais ils sont tout pétés. Ah, ah. Et voilà, on a tout pété. Et c'est génial. Ah merde, je vais pas envoyer une grenade. Je suis encore à verser les touches. Ah, c'est cool. Bon, alors, d'abord, on va chercher un peu. On va régénérer un peu les munitions, hein, après. Donc, ça explose pas mal derrière. Faire gaffe. Oh, de l'argent, c'est bien ça. Ah bah oui, bah, une chute de pistolet, j'en ai déjà trop. Je vais d'abord prendre tout ce qui passe. Oh. Oui, ça est parti du SP, je vois. Donc, bah, pour l'instant, on peut pas passer là-dedans. Donc, on trouve où est-ce qu'on peut débloquer l'endroit. Ah, il y a du monde là. En tout cas, c'est trop bien qu'il y a. Des trucs qui explosent. Ah, c'est borderland. Ça explose. Le truc qui est par ici. Tout le glace. Oh, c'est connard. Voilà. Ici, là, il y a un gros robot qui est pas l'air gentil. Enfer, quoi, excès. Ah ouais. Il est pas gentil. C'est enfer, c'était juste de le spammer. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai le vertige. Hop. Point up. Donc, contrôle station, et là on va devoir tout réactiver et ensuite on pourra passer crème. Il y a un truc qui m'intéresse bien. Oh, un boulot roquette. Ça vaut de la thune, donc je vais le récupérer comme pour le revendre. Comme ça, voilà, j'aurai de la thune. Utile pour acheter les munitions. Oh, munitions de lance-roquettes, mais c'est bien ça. Bon, donc on y va, on se casse. On prend le cours normal des choses. Hop. Donc, hop, merde, j'ai un peu tout foiré. Hop. Donc on y va. Ouh, il y a des petits vagues. Il y a des bits volatiles. Ils volent. Des petits trucs qui volent. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, là il y a des trucs bleus. Ça, c'est des bits volatiles. Et en gros, ce truc, si je m'en souviens bien, je crois que ça donne des effets temporaires. Et c'est assez pété du cul. Donc, hop, une mission. Donc là, on a une carte. Donc le data splitter. Et donc, il y a la mémoire 2, la mémoire carte, la carte sans mer. Nous on était ici. Oh, on était bloqué. Pas une grosse zone. Bon. Allez, on se casse et on va à la mémoire 2. Hey, où est passé mon bouclier? Ouh, il y a des virus. Voilà. On va faire gaffe, il y a des petits virus qui traînent. Ah, après la corrosion. Ok. Lance roquette dans ta gueule. Voilà. Bon. Allez, on va jouer au pompe. Voilà. On one shot tout le monde au pompe, donc c'est. Ah, ça va être rapide si je joue au pompe. T'embête pas à croire en toi. Crois plutôt en moi. Ah, parce voilà. Que moi, je crois en toi. Merci Jack, c'était sympa ton truc. Bon allez, on se casse, on va vers la mémoire. Hop.
Donc allez, hop, c'est parti. Voilà. Hop. Oh mon dieu, y en a partout. Voilà. Ce qui est bien avec ce fusil à pompe, c'est que j'ai déjà... Voilà. Je one shot les gens en fait. C'est tout ça. Le seul problème c'est que si vous regardez les munitions, ça... Ça me défonce les munitions donc... Hyperion Forever. Elles économisent. Oh là, il a commencé à traverser le truc. Regarde. Bon, c'est parti. Donc on est dans la mémoire 2. Donc c'est parti. On va aller voir le cluster trap. Le super clusterer. Ah, je n'importe quoi. On va voir ce qu'il y a. Les flingues. Bon, j'ai dit que je vendrais le lance-roquette. Hop, et je le vends. Oh, mode de classe légendaire. Je sais pas comment je l'ai eu celui-là. Quand j'en ai déjà un qui est légendaire sur moi, je vais voir s'il est meilleur. Qu'est-ce qu'il rajoute? La chance de geler, dégâts de glace. Ouais, bon. On va essayer celui que j'ai. Ah, il y a beaucoup plus de trucs. On va servir quand on aura une arme de glace, je pense. De la monnaie, 2000. Comme vous voyez, on a de la thune et c'est pas mal. Donc la mémoire, elle est là. Et on y va comme ça. Ouais, hop. Je pense. J'essaie de snob les amis parce que j'ai la. Oh les munitions à fuir. Je ne suis pas là. Je pense que ça va être World of Rampage, hein, comme ça. Alors où sont les autres? Ils sont là. Donc, L.TP. On va tuer les L.TP. Voilà. Il y en a d'autres ennemis. Oui, ils sont en haut. Donc, où sont les autres ennemis? Hop. Et boum! Voilà, ça c'est une technique. Ah, vous sautez. Ouais. Après, c'est une technique. Vous sautez, bah, de double saut et ensuite vous faites. Bah, vous accomplissez et hop, ça explose. Si vous savez pas, bah, vous le savez. Hein. Si vous jouez à Borderlands, vous savez pas. C'est une technique qu'on apprend peu dans le jeu, mais. Là pour l'instant c'est une scène de combat, donc on combat, il y a des flingues, bon ça explose. Plus d'ennemis là. Ah bah si y'en a un. Attends. Faut que je vole un peu. Voilà. Je vais prendre mon sniper, Hyperion en plus. C'est pas la classe. Faut monter là, je crois. Non, ça peut pas monter, donc je suis allé au mauvais endroit, hein, c'est l'autre côté. Donc c'est parti, oui. Le grenade ici. Ok, bon. Ouh, je crois que j'ai pris extrêmement cher. Pas de problème. Hop. Comme j'ai dit, on va snober les ennemis, hein, voilà. Faut que ça aille vite, hein. Pas non plus que l'épisode dure un million d'années. Là, on est déjà à 20 minutes. Donc, oh, j'avais pas vu ce... Oh, mais il y a un petit chemin ici, ça mène où? Ça mène au Nexus. Ok, on va pas retourner au Nexus comme ça, hein. On va aller au cluster Pandore. Voilà. Donc on y est. Okay, j'ai mon fusil à pompe, il est jaune. Il faut se servir de cette console pour appeler le cluster avec le ça fait quoi? C'est 00773. Ok, donc c'est parti. On va aller au cluster 00773, hein, comme je l'appelle. 763. Bon, aux autres. On va chercher. Donc là, on a Aircrush. Ce souvenir complètement fou a atterri ici. Mais c'est pas ça, essaye encore. Bon. Alors, c'est votre ice cream. D'accord, elle a une glace dessus. C'est mon portrait craché. Oh mince, refais un coup.
Faut voir avec la table. Ah, le cluster Pandore. Voilà. Cible en vue. Entre là-dedans, prends le code source H et tu seras à l'heure pour l'apéro. Bon. Hop. Ben moi j'ai une bonne idée. Hein, maintenant qu'on a fait tout le chemin pour aller jusqu'ici. Et ben dans l'épisode 3, et ben on va faire Cluster Pandore. Voilà. Hein, ça vous dit. Moi ça me dit parce que la mise en ligne elle va décer. Et ben elle va durer 30 millions d'années sinon. Donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez aimé déjà. Et donc on se retrouve pour l'épisode 3 dans pas très longtemps. Voilà, donc à plus tout le monde.